Alors, chers téléspectateurs de la Voix de la démocratie congolaise, merci de nous recevoir chez vous à travers notre émission intitulée Tribune de la Diaspora. Cette émission qui revient chaque samedi de New York City avec votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe. Don Kayembe, aujourd'hui, a voulu que cette émission soit une émission purement virtuelle, c'est-à-dire nous aurons beaucoup d'invités qui vont intervenir en même temps, vu l'abondance de la moisson, c'est-à-dire l'actualité est tellement abondante au pays qu'on va décortiquer avec ceux-là qui sont informés et ceux-là qui suivent l'évolution et qui ont le Congo à cœur à partir de l'extérieur. Alors là, nous vous disons qu'aujourd'hui, chers amis, vous qui êtes avec nous sur ce plateau, nous allons parler dans un premier temps de l'actualité récente, c'est-à-dire la démission du vice-premier ministre et ministre de la Justice et garde des Sceaux. J'ai cité Tunde Kassende qui a rendu le tablier aujourd'hui. Démissionner, ça n'a jamais été un verbe conjugué par le politique congolais. Comment avez-vous vu ça? Est-ce que c'est quelque chose de positif? Est-ce que c'est une erreur de sa part ou bien c'est la fermeté du premier citoyen congolais? J'ai cité le président Fatshi qui veut remettre, je voulais dire, la pendule à l'heure. Donc, le débat est ouvert. Là, je commence avec Jaime. Est-ce que Jaime, vous avez un mot à dire là-dessus, s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup, monsieur Don. En fait, pour moi, la démission du vice-premier ministre, M. Tunda, n'est pas une surprise, d'autant plus que la culture congolaise ne nous donne pas beaucoup de chances à démissionner. Nous, on n'est pas dans cette histoire-là, mais lui, on l'a obligé. On l'a obligé et c'est aussi la recommandation du chef de l'État que Tunda a démissionné. Mais si vous regardez depuis le début de cette histoire, Tunda de lui-même ne voulait même pas démissionner, même ni sa famille politique, ils n'étaient pas prêts à démissionner. Mais vu qu'il y a eu insistance du chef de l'État, le fait de déconnecter, de passer dans des réunions du Conseil des ministres, il s'est vu vraiment menacé. Et si vous suivez... Parlons un peu de la raison de sa démission, donc la raison pour laquelle il a été poussé à la porte. Qu'est-ce que vous en connaissez? C'est à moi? Je dis, parlons de la raison de sa démission. Donc, la raison qui a fait qu'il soit poussé à la porte par le chef de l'État. Quelles raisons connaissez-vous à ce sujet? Oui, en fait. C'est moi qui ai la parole, j'espère. Oui, allez-y. Ah, la raison qui a fait qu'on lui demande de démissionner, c'est parce qu'il a outrepassé ses attributions ministérielles. Il y a la loi, les trois lois de Minaku et de l'autre sénateur, député là. Sakata. Sakata, il y a une commission, au niveau du gouvernement, il y a une commission qui étudie les lois et autres propositions de traités. Mais Tunda, lui, sans même l'accord du gouvernement réuni dans la commission, il a traité directement avec la présidente du Parlement. En donnant l'avis, soi-disant c'est l'avis du gouvernement, or ce n'était pas vrai. Donc c'est venu de lui, il a engagé le gouvernement. Ok, alors quelqu'un d'autre d'ajouter, s'il vous plaît? Je voudrais intervenir, Don. Merci pour la parole. Il est certes vrai que la culture politique congolaise ne reconnaît pas trop la démission. Ce n'est vraiment pas dans notre culture. Si ma mémoire est bonne, je crois qu'il y avait un premier ministre dans le temps qui avait démissionné, c'était Lunda Bululu. Et aujourd'hui, nous avons un vice-premier ministre qui est de la justice, Tunda. Je crois que sa démission n'est vraiment pas de son propre gré. C'est pas très vrai. C'est le fruit de plusieurs pressions de son camp politique et bien sûr du chef de l'État, je présume, qui ont poussé vraiment à ce fait qu'il... On en arrive à sa démission. Est-ce louable? Oui. Je crois que dans notre culture, on doit commencer à comprendre que quand votre action politique... Est-ce qu'on peut parler fort, OK. C'est beaucoup mieux ainsi? Oui. Ouais. Je disais ceci. Je ne sais pas trop bien où est-ce que vous m'avez perdu. Je disais que dans notre culture politique congolaise, la démission n'est pas de mise. Ce n'est vraiment pas quelque chose de connu.
si ma mémoire ne me trahit pas, je me rappelle, il y avait un premier ministre, Lunda Bululu, qui avait démissionné en son temps parce qu'il n'avait pas pu aboutir avec sa politique. Il avait démissionné du temps de Mobutu. Nous avons encore Tunda. Je crois qu'il y a un autre cas ici et là, mais je crois que c'est une action louable, un très bon début. Nos autorités politiques devraient comprendre qu'à un certain moment, quand il y a un conflit entre leur vision et celle du gouvernement, ils peuvent démissionner. Ils n'en sortent pas, mais je crois que ça devrait être de mise. Est-ce que c'est de son propre gré? J'en doute fort. Il y a eu beaucoup de pression de la part de son camp et je crois du côté du premier citoyen du pays qui est le président de la République, certes, je crois, mais je remercie cette action. Je crois que les gens sont remplaçables, les institutions politiques continuent. Je crois qu'on aura un nouveau vice-premier ministre et ministre de la Justice et je crois qu'on devrait continuer, ça ne devrait pas être un événement pour lequel on devrait l'action du gouvernement devrait continuer. Voilà, c'est mon point de vue. Merci, merci. Alors, Maître Olivier. Oui, je vais me démarquer de l'approche de la pression. C'est vrai, parce que les deux premiers intervenants ont parlé de la pression, des guerres sous pression. Il a posé. Maître Olivier, vous êtes trop bas là. Est-ce que vous pouvez monter un peu l'image? Parce que vous semblez trop bas. Ok, là, c'est beaucoup plus mieux. Non, vous êtes battu encore en bas. Non, ce n'est pas de bouger. Donc, c'est vous-même. Bougez seulement la caméra, comme ça que vous puissiez monter un peu au-dessus. Comme ça? Okay, là, c'est beaucoup plus mieux. Allez-y. Excellent. Oui. Alors, je disais que je me démarquais allègrement de cette approche de pression faite sur le vice-premier ministre, suivant les deux premiers intervenants. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un fait qui est réel. Moi, je me limite dans la lignée du droit. Il y a eu faux et usage des faux. Tout simplement. Les gars est un délinquant et voilà, il est conscient de son infraction et tout simplement, il a démissionné. Donc, même sans pression, d'abord, la pression là dont on parle ici, elle est vraiment virtuelle. Personne ne sait s'il y a eu réellement pression. On spécule là-dessus. Alors, sur le même lancé, il y a la série continue, si je peux dire, parce qu'il y a aussi la dame directeur de la DGRK qui a aussi démissionné. Et même tout à l'heure, là, j'ai... Voilà, concentrons-nous sur le vice-premier ministre, s'il vous plaît. Oui, OK. Donc, Si, il faut que je me résume, je me limite là, c'est tout ce que je dirais. Donc, le gars est un délinquant, son infraction, c'est un faux usage de faux. Voilà, c'est ce fait-là qui l'a amené à démissionner. OK. Khalil? Bon, merci pour la parole, M. Don. Je n'ai pas tous les tenants et aboutissants de l'affaire de ce ministre de la Justice, mais je voulais seulement dire que j'avais entendu parler du faux et usage de faux sans en connaître vraiment les détails. Ce serait bien si Olivier peut y revenir pour nous donner un peu les détails s'il en connaît un peu plus. Mais pour moi, c'est plutôt l'impression de cet acte sur le plan didactique vis-à-vis de la population congolaise. Comme un intervenant avait dit, ce n'est pas une culture congolaise, mais c'est quelque chose que les gens qui ont bien réfléchi et peuvent vraiment apprécier et peuvent apprendre que s'il a présenté ça comme sa propre démission, qu'il y ait pression derrière lui ou vraiment des pressions de son camp ou bien du camp venant de la présidence, ça importe peu pour moi. Pour moi, ce qui importe pour le moment, c'est ce que ça donne comme éducation à la population, à l'ensemble de la population, parce que c'est ça que la population consomme. La population peut prendre aussi conscience d'une façon insubconsciente de dire, bon, en tout cas, les gens commencent à devenir de plus en plus responsables s'il a reconnu qu'il a fait un dérapage et qu'il a décidé de démissionner.
ça donne une bonne éducation à la population en général. Donc, c'est pour me résumer, je ne connais pas tous les détails. Je serais vraiment ravi si quelqu'un peut élucider un peu sur ça. Mais mon impression est que, sans ou avec pression, c'est quand même une bonne étape, surtout sur l'impact que ça va faire sur l'éducation de la masse. C'est un peu mon point de vue. Merci. Alors, nous revenons à Maître Olivier, vous qui avez parlé de la délinquance. Il y a un des participants qui voudrait savoir, est-ce que vous en connaissez un peu plus sur cette délinquance et la faute qui a amené le vice-premier ministre à démissionner? Oui, la délinquance n'est pas vue comme un homme de la rue. Un délinquant, c'est celui qui a commis l'infraction. Et alors, l'infraction... Savoir, c'est l'infraction que Kali veut savoir, puisqu'il n'en connaît pas plus. Mais vous, quand vous êtes dans le métier, quand il y a une histoire comme ça, vous cherchez à aller un peu plus dans la profondeur, savoir quel était le péché qu'il a commis, quoi, du point de vue de droit. Oui, je demande second intervenant de prendre parole le temps que je prenne mon code et lire la définition juridique du faux usage des faux. Un instant, est-ce que quelqu'un peut intervenir à ce sujet, puisque en attendant que, ok, monsieur le maître, pouvait chercher votre code juridique, est-ce que nous pouvons parler avec quelqu'un d'autre, parce qu'il y a deux nuances ici. Il y a certains qui disent c'est sous pression du chef de l'État que ce dernier était contraint de partir. Il y a d'autres qui disent non, c'est son comportement qui a fait qu'en âme et conscience, il n'avait pas de choix que de partir. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, je peux parler. Oui, en fait, le problème était trop simple. Et je crois que notre ami... Pardon? Un peu plus fort. Oui, je disais que non. Le dossier est connu de tout Congolais qui s'intéresse à la chose publique dans notre pays. Le monsieur, il y a eu un problème. Il y a eu trois propositions de loi proposées par des députés. Et ces trois propositions, selon dans l'usage parlementaire, quand il y a des lois au niveau du Parlement, ils doivent envoyer ça au niveau du gouvernement pour étudier avant que les propositions aillent à la commission administrative et juridique, PAG. Alors, il s'est fait que non, les messieurs, quand le Parlement a envoyé les dossiers au gouvernement, le dossier n'est pas passé directement chez le Premier ministre, le monsieur a agi à la place du Premier ministre et du gouvernement. Il y a une commission qui devait se réunir pour statuer sur ces lois-là. Le monsieur, lui, s'est donné ses pouvoirs en tant que ministre de la Justice de donner son point de vue et répondre au nom du gouvernement au Parlement, faisant passer que non, c'était le point de vue du gouvernement. Quand... C'était ça l'erreur. Oui, c'était là l'erreur. C'est là où on lui a fait des délinquants. Enfin, c'est là où la délinquance, c'est à ce niveau-là, parce qu'il a menti. La délinquance du point de vue juridique est différente du point de vue de la rue. Alors, Maître Olivier, vous êtes prêt pour nous parler de cette délinquance juridique? Pas encore, je suis encore sur mon code. Tu es encore sur le code. Alors là, on continue avec Christian. Oui, ce que je voulais dire au détail près, je crois que, comme disait l'intervenant passé il y a quelques minutes, Jean-Aimé, merci. Je crois que la délinquance pourrait être établie. Je crois que Maître Olivier pourrait nous en donner plus de détails. Mais je crois que je veux m'entretenir sur les faits. Il y a une procédure qui n'a pas été bien fait respecter. Donc, il a, Monsieur le vice-premier ministre, déclarant, soutenant qu'il y a sous avis du gouvernement, il a été transmis au Parlement que les débats avaient été déjà faits, ce qui n'avait pas été vrai. Et je crois qu'il s'est mis lui-même, s'est démarqué de la procédure et il s'est mis sur un siège éjectable. Okay, alors, Christian, vous restez là, je ne vous coupe pas. Donc, je pose cette question, puisque semble-t-il, ce qui a fait énerver le chef de l'État,
ce n'était pas vraiment le plus grand problème qu'il a commis, qui était un problème administratif, mais c'est quand lui, aussitôt qu'il a été relâché de la justice, il va dans leurs installations de PPRD, il déclara que non, j'ai contacté Yamei. Alors, c'est ce terme-là, Yamei, qui n'était pas bon aux yeux du chef de l'État. Bon, je ne veux pas trop spéculer sur cela. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'événements concomitants qui ont poussé à cela, à énerver le chef de l'État, certainement. Je crois qu'il a déjà laissé de faute administrative. Et bien sûr qu'il a été interpellé brièvement pendant 2 heures et qu'au sortir de cela, le calme, la quiétude qui aurait dû être de mise, bien sûr, certains caciques du PPRD se sont mis sur le créneau et crié, bien sûr, j'ai appelé Yemei, j'ai dit ceci, Yemei m'a dit ceci, calmez-vous, on n'intimide pas. Bien sûr, ce sont des événements qui ont participé à déverser la goutte et bien sûr, et j'estime que le chef de l'État étant le garant de la justice, le premier magistrat, s'est tout à fait normalement senti dans le devoir de le mettre sur un fait accompli. Et je crois que tous ces événements qu'on commet au fait que, bon, il était sous une chaise éjectable, et voilà, que, parce que quand on voit le discours et l'attitude qu'il avait au sorti de ces 2 heures avec tous ses compatriotes du parti, et aujourd'hui, quand je suivais encore son attitude de démission, on peut comprendre que c'est deux personnes différentes. Et je crois qu'il a eu le temps de pouvoir vraiment intérioriser les faits et les erreurs, et voilà, on aboutit à une démission de sa part. C'est ça. Alors, Jean-Aimé, nous revenons à toi, Yamei. Est-ce que vous avez trouvé ça vraiment très responsable pour quelqu'un de son rang? Bon, d'abord, le fait qu'un ministre puisse dire que non, Yamei, j'ai appelé Yamei, il avait mis en défi le pouvoir du président Tshisekedi. Ne reconnaît pas l'autorité du chef et quoi. Oui, donc c'est pour dire non. Yemé, c'est quelqu'un qui est au-dessus de tout pouvoir. Donc, pour lui, il y avait quelqu'un qui était plus fort, qui a décidé, qui lui a dit de ne pas avoir peur. Et c'était logique. Et que le chef, même le premier ministre, pouvait le sanctionner directement. C'est ça. Alors, Kali, est-ce que vous avez un mot à dire ce comportement, quelqu'un qui c'est-à-dire quelqu'un qui est au top de top. Et vous pensez que vraiment c'était un langage qu'il faudrait tolérer ou bien vous pensez que la décision du chef de l'État de le référer à son Yemei qui est resté avec lui est vraiment louable? Allô? Allez, on écoute, Karim. Ok, bon. En tout cas, premièrement, je ne suis pas familier avec cette expression « Yemei ». Je ne sais pas ce que vraiment ça… Boss de boss. Yemei, boss de boss. Yemei, boss de boss. Ah, ok. Bon, d'accord. Alors, dans ce cas-là, j'avais perçu ça de cette façon-là. Mais dans ce cas-là, si il est enregistré, hein, sous record, qu'il avait fait de telles déclarations, c'est définitivement… définitivement un défi à la magistrature, au magistrat suprême qui est le chef de l'État et comme quelqu'un l'a dit là, le chef de l'État devait le sanctionner, bien le blâmer et effectivement aussi le premier ministre devait vraiment jouer son rôle en tant que chef du gouvernement pour le remettre, pour le recadrer dans la conduite. Bon, si il est arrivé à dire ça, bon, vous voyez, les impulsions instinctives des êtres humains sont cadrées dans, proviennent de ce qui est dans leur subconscient. Donc, je pense que tout le monde dans le FCC et le gouvernement, ils savent que ils sont très conscients de la coalition qui existe. Et dans leur fort intérieur, ils savent qu'ils n'ont à répondre qu'à leur chef politique. Donc, bon, maintenant, tous les langages que vous voyez à l'extérieur, ce sont des langages de prudence. Ils essaient de faire tout pour ne pas commettre une faute. Le ministre, le vice-premier ministre, a commis cette faute-là de parler
dans le naturel. Et c'est ce qui lui a causé le problème. Mais c'est inacceptable, c'est ce que je peux dire. OK. Alors là, pour conclure ce chapitre, nous revenons à Maître Olivier. Est-ce qu'on peut conclure ce chapitre? Qu'est-ce que vous en dites? OK. Je reviens sur la définition même, la quintessence même de l'infraction. J'avais justement faux et usage des faux. Voilà comment le code pénal définit le faux usage des faux. Faux d'abord. Il y a deux infractions réunies, deux infractions ensemble. Le faux lui-même, c'est une altération de la vérité visant à causer un préjudice à autrui. Et l'usage des faux, à son tour, est le fait d'utiliser en toute connaissance des causes des faux dans le but d'obtenir le même résultat qu'avec un document original ou fiable. Donc, le vice-ministre dont on parle ici, oui, en question, il a bien commis cette infraction. L'infraction est vraiment quasiment établie en lui parce qu'il a fait du faux et le faux, il a fait du faux pour aller engager tout un gouvernement alors qu'il n'en avait pas l'autorisation. Voilà pourquoi il s'est rendu responsable lui-même et il a démissionné. Donc, la pression, peut-être oui, mais le fait est réel. Alors, que dire de le mot que tu as utilisé là, délinquant? Tu peux éclairer l'opinion dans quel contexte ce mot délinquant est attribué? Un délinquant veut dire la personne, tout celui qui commet l'infraction, on l'appelle délinquant. Ok, ce n'est pas une insulte, mais c'est un qualificatif, je voulais dire. C'est comme ça que le droit définit l'infracteur, c'est un délinquant. Ok.